Dans le mois de juin, chers amis, le 6 juin, le sixième jour du sixième mois de cette année, c'est un jour formidable. Le sixième jour du sixième mois de l'année 2024, c'est une journée formidable. Vous savez pourquoi? C'est un jeudi. Jeudi, c'est la journée de Jupiter. Et ce jeudi, nous aurons la sortie de la nouvelle lune. Le jeudi 6 juin, nous aurons la sortie de la nouvelle lune. Et quand la nouvelle lune apparaît, ça donne de bonnes vibrations. Comment profiter de la nouvelle lune? Quand nous avons le premier jour de la nouvelle lune, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier jour de la nouvelle lune, chers amis, purifiez votre aura. Purifiez votre aura. Nous avons une technique simple pour purifier son aura. Vous savez quoi? Quand votre aura est souillée, vous tombez tout le temps dans les toits d'araignée. Vous voulez rentrer dans votre moustiquaire, vous rencontrez toits d'araignée. Vous voulez aller à la cuisine, vous rencontrez toits d'araignée. Vous êtes en pleine circulation dans le feu, vous rencontrez toits d'araignée sur votre visage. Quand vous êtes sur moto, vous imaginez? C'est un blocage. Votre aura est impure. Et quand votre aura est impure, la malchance est présente. Quand votre aura est impure, tout ce que vous utilisez, vous ne constatez pas son efficacité. Quand votre aura est impure, vous allez constater que plus rien ne marche pour vous pratiquement. Même les femmes en menstrues peuvent utiliser nos produits. Pour moi, une femme qui est en menstrues n'est pas souillée. Non, une femme qui est en menstrues est élevée spirituellement. C'est ce que vous ne savez pas. Une femme qui est en menstrues est élevée spirituellement. Les produits de Rabitan, quand vous êtes en menstrues, vous pouvez les utiliser. Ça ne gêne rien. Vous aurez son efficacité. Donc, le 6 juin, qui est la sortie de la nouvelle lune, je vous propose d'utiliser, de faire un bain. On appelle ça le bain lunaire. Enfin, on appelle ça Sunwu. Sunwu, le bain lunaire. Pour faire le bain lunaire, vous avez besoin de deux ingrédients. Vous avez besoin de la bougie lunaire et vous avez besoin de l'essence lunaire. La bougie lunaire et l'essence lunaire, les deux ingrédients vont vous coûter 5 000. Et vous utilisez ça le jour de la sortie de la nouvelle lune. La nouvelle lune sort le 6 juin, qui est le sixième jour, qui est un jeudi. Voilà le coffret du bain lunaire. Ouais, c'est ça. Vous avez vu la bougie? Vous avez vu le petit flacon qui est là? Il a de l'essence dedans. On appelle ça essence lunaire. Ça sent du bon. D'accord? Le premier jour de la nouvelle lune, qu'est-ce que vous faites? Vous allumez la bougie dans votre douche, dans votre salle de bain. Vous éteignez toutes les autres lumières. Le contenu du flacon, vous versez ça dans votre eau de bain et vous vous rincez le corps. Quand on dit rincer le corps, on n'a pas besoin d'éponge, on n'a pas besoin de savon. Et quand on finit, on n'a pas besoin de serviette. Il faut le faire le premier jour de la sortie de la nouvelle lune, vous qui tombez tout le temps dans les toits d'araignée. Vous qui constatez que quand vous dormez, vous fermez les yeux, en même temps vous avez la paralysie du sommeil. Vous avez un poids qui monte sur vous, qui descend sur vous, vous n'arrivez pas à vous débattre, vous n'arrivez pas à crier, vous n'arrivez pas à lever le petit doigt. Ça vient absorber votre énergie. Ça vient absorber votre vitalité. Quand vous avez cet esprit qui vient sur vous. Et ça vous donne la malchance. Ça vous donne la malchance. Vous êtes rejeté. Vous allez n'importe où on vous rejette. Vous avez besoin de faire ce bain le premier jour de la nouvelle lune. Quand vous constatez que tout le temps, le mari de nuit, la femme de nuit vient vous perturber. Le mari de nuit, la femme de nuit vient vous perturber. Vous devez savoir que vous avez besoin de faire ce bain 3 fois successivement. Ça veut dire dans le mois de juin, dans le mois de juillet, dans le mois d'août. À chaque fois qu'il a la sortie de la nouvelle lune. Dans le mois de juin, dans le mois de juillet, dans le mois d'août. Le mois de juin déjà c'est le 6 que vous aurez la sortie de la nouvelle lune. Ce paquet vous coûte 5 000 francs. Pour purifier votre aura.
En Côte d'Ivoire, c'est à 8 000. En France, c'est à 25 euros. Voilà, on appelle ça le coffret du bain lunaire. Et on utilise ça le premier jour de la sortie de la nouvelle lune. Vous allez constater, il y a des gens qui vont vous dire, mais tout ce que moi j'utilise, je n'ai pas son efficacité. Quand je prie, je ne constate pas son efficacité. Quand je fais l'aumône, je ne constate pas son efficacité. Quand je vais faire des sacrifices aux divinités, je ne constate pas son efficacité. Quand j'utilise les produits, je n'ai pas son efficacité. Vous savez quoi? Personne sur terre n'est ainsi. Personne sur terre n'est ainsi. Parce que quand vous utilisez des produits, c'est pour nourrir votre esprit. C'est pour nourrir votre esprit. Pourquoi votre esprit va refuser d'être nourri? Ça veut dire tout simplement que votre aura est souillée. Et quand votre aura est souillée, vous pouvez utiliser tout ce que les autres utilisent. Ça marche. Vous, ça ne va pas marcher pour vous. Vous avez besoin de ça. Pour finir avec l'impureté de votre aura. On appelle ça le coffret du bain lunaire. Vous voulez avoir ce coffret? Écrivez-nous sur le 94 33 78 78. 94 33 78 78. Précédé de 229 si vous êtes hors du Bénin. Parce que c'est un numéro béninois. Précédé de 229 si vous êtes hors du Bénin. Ce n'est pas tout. Le premier jour.